Chers téléspectateurs d'Oppositif, bonne retrouvaille et bienvenue dans ce nouveau numéro. Un plateau riche, diversifié, composé des hommes et des femmes issus de différents horizons, mais unis sur ce plateau pour partager leurs expériences et leur vie. Vous attend pour passer un agréable moment en famille. À mes côtés pour animer ce live, la Tchadienne la plus aimée des téléspectateurs de Télécad, accueillons ensemble Yasmine Donna. Mesdames, chers téléspectateurs, bonsoir. Comme d'habitude, nous aurons sur le plateau des invités au profil varié, des personnes qui acceptent de partager avec nous, mais surtout avec vous, leur expérience. Un coucou aujourd'hui aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Amtiman, Gosbeida, de Bangor, de Laï, de Calaï. Merci pour votre fidélité. Adam, sans transition, nous allons donc accueillir notre premier invité. Effectivement, Yasmine, ça sera. C'est un homme rectiligne aux courbes invisibles propres aux hommes de culture. C'est un écrivain et un dramaturge avec une passion débridée pour le bricolage. Quand l'évidence ne suffit plus, son premier roman a remporté plusieurs prix, dont celui du grand roman africain Cheikh Hamidou Kane. Accueillez avec moi Souleymane Abdelkerim Chérif. Notre prochaine invitée est une jeune femme brillante aux multiples casquettes, dirigeante d'entreprise, journaliste d'investigation, responsable des communications, chargée des projets événementiels et des relations presse. Un parcours riche, jalonné par des diplômes Master en Business Administration, Master en Journalisme d'Investigation, un Master en Communication et un autre Master en Relations Publiques et Événementielles. Comme tout cela ne suffisait pas, notre prochaine invitée a ses heures perdues, écrit, dessine et fait aussi de la peinture. Accueillons ensemble Madame Dakougou Kouniwadei. Il est sympathique, mais surtout très émotif. C'est une figure presque emblématique de l'enseignement et du sport dans notre pays. Il adore rigoler, mais surtout ironiser. Mesdames et messieurs, accueillons le gentleman Saïd Farah. Yasmine, notre prochaine invitée est une auteure conférencière de renommée nationale. Elle est spécialisée dans le développement personnel et les différentes aides apportées aux personnes pour atteindre leurs objectifs. Elle estime que le destin n'est pas une question de chance, mais plutôt de choix, et que notre avenir ne peut être planté, arrosé, soigné et récolté que par nous-mêmes. Sur le plateau des positifs, elle va nous parler d'elle-même et surtout de son dernier livre, « Reprenez votre vie en main ». Accueillons ensemble la charmante Halime Ali Abbas. Notre plateau soit complet, mesdames et messieurs, accueillez avec moi cette femme qui représente dignement les femmes tchadiennes par son intelligence, sa générosité et sa beauté d'âme, notre chroniqueuse Dame Sarla Ahmad Koulamala. Merci.
merci à ce chaleureux public venu aussi nombreux à la fois soutenir l'émission positive, mais aussi soutenir nos invités. Un tonnerre d'applaudissements pour vous-même, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec le gentleman, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Saïd Farah, à qui je souhaite déjà la bienvenue sur notre plateau. Merci. Votre vie professionnelle a commencé et continue surtout dans l'éducation, parce que à seulement 25 ans déjà, vous avez été nommé proviseur du célèbre lycée Félix Eboué de N'Djamena. Parlez-nous un peu plus de votre parcours professionnel et de ces années où vous étiez le plus jeune proviseur du Tchad. Bien. En effet, j'ai été nommé le 6 août 1983 proviseur du lycée Félix Eboué avec donc 25 ans d'âge, mais après avoir été déjà directeur de l'école normale d'instituteurs d'Abéché. J'avais 24 ans. Je suis rentré de Brazzaville avec une licence en poche obtenue à 23 ans. En juin 1981, lorsque mon fils Abdelkader, qui est là, a vu le jour à Brazzaville pendant que j'étais étudiant. Mais j'ai eu la chance, moi, de n'avoir pas eu d'anicroche dans mes études, ni élémentaire, ni secondaire, ni supérieure. Parce qu'à mon âge, avoir le bac à mon temps, avoir le bac à 18 ans, à plutôt à 20 ans, ce n'était pas donné. J'ai eu mon bac donc en 1978, et grâce à cet âge-là, j'ai obtenu immédiatement une bourse pour aller à Brazzaville faire des études de sciences de l'éducation. Et au moment où je m'apprêtais à me rendre à Brazza, j'ai croisé le ministre actuel de l'éducation nationale, M. Moussa Kadam, qui fut mon professeur de la seconde en terminale, et je suis aujourd'hui le secrétaire général du ministère qu'il dirige. Donc, je fais une thèse en sciences de l'éducation à l'université de Maroua. Après avoir obtenu la licence à 23 ans, je vais obtenir le doctorat à 65 ans. Et donc c'est un message que je transmets aux jeunes, mes enfants, mes petits-enfants aussi, qui sont là. Et peut-être que je vivrai plus longtemps pour regarder, voir également mes arrière-petits-enfants. Après avoir été, comme je l'ai dit, directeur de l'école normale d'Abéché, préfet du Chari-Bagrimi, gouverneur du Salamat, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, consultant à l'UNICEF, n'est-ce pas? Donc, c'est un parcours professionnel très riche. Oui, très riche parcours, vraiment. Monsieur Saïd, moi j'aimerais bien qu'on revienne à cette époque-là où vous aviez 25 ans et que vous étiez nommé proviseur. Comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer? Alors d'abord, j'avais 4000 élèves quand je prenais service déjà. À cette question-là, j'aurais bien voulu que certaines personnes répondent. Et j'en citerai quelques-uns. Professeur Makai Taïso, il était en quatrième quand j'étais proviseur. Professeur Choua Ouchébi, il était au lycée quand j'étais proviseur. Professeur Ali Mohamed, professeur Ali Suleiman Dabi, Adam Younousmi, posez-leur la question, quel genre de proviseur j'étais. On espère les avoir un de ces jours sur le plateau d'eau positive et puis on va leur poser cette question. Alors, j'étais proviseur en jean, en basket. Et je venais de Brazzaville, qui était un pays à cette époque-là où ils étaient plus ou moins gauchisants. Vous comprenez? Gauchisants, communisants, socialisants. Donc je suis arrivé avec un esprit de gauche. Et vous savez, quand vous avez un esprit de gauche, généralement vous êtes lié sur le haut terrain. C'est-à-dire que quand moi j'arrive à 7 heures du matin au bureau, je vais dans la cour, je suis au parc. Vous connaissez le lycée actuellement?
sous les grands gros arbres de Caïcédra. Donc moi j'étais au parc. J'étais au parc pour vérifier est-ce que les enseignants, est-ce que les professeurs sont présents. Est-ce que les élèves sont dans la cour ou est-ce qu'ils sont en classe. Et j'ai supplé les enseignants absents. C'est-à-dire que lorsque je constate qu'une salle de classe n'est pas prise en main par un enseignant, je pose la question. On me dit le professeur est malade, il est en retard. Alors, je me métamorphose en professeur. Je ne sais pas, je ne connais ni les mathématiques, ni les sciences physiques, ni la biologie. Mais je me mettais à causer avec mes élèves pour leur permettre, n'est-ce pas, d'attendre que le professeur arrive. Et donc, ma proximité avec les élèves a fait que j'ai deux contacts avec eux. D'abord, je suis leur professeur, ensuite leur ami. Et ça, ça marche beaucoup. Et peut-être que j'ai bénéficié d'une génération de personnes ayant, n'est-ce pas, été bien éduquées. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez comment les jeunes se comportent, quand vous regardez comment des élèves du lycée Félix Eboué organisent une expédition punitive contre les élèves du lycée technique, quand vous regardez des élèves du lycée de la Liberté quitter leur école, faire une expédition punitive contre les enfants du lycée Forlami, moi j'ai envie de pleurer. Parce qu'à mon temps, ce n'était pas comme ça. Qui était votre référence à cette époque-là? Je n'ai pas entendu. Qui était votre référence à cette époque? Ma référence? Oui. Moussa Kadam. Oui. Il était mon proviseur, il était mon modèle de proviseur, et les aléas de la vie font qu'aujourd'hui, il est devenu le ministre et je travaille sous sa responsabilité. Vous dites aussi avoir réussi et quelque part excellé dans la vie grâce aux enseignements et au leadership de votre maman, qui, elle, n'a pas été à l'école, mais pour qui c'était impératif vraiment que son fils aille à l'école. Quel type de maman était-elle vraiment pour vous? Alors, ma mère s'appelle Meram. Meram Ildima Ngarkelo Gaurang. Ma mère est petite-fille de Gaurang. Et moi, je suis arrière-petit-fils du sultan Gaurang. Donc, je suis prince bagrimien par ma mère. Et je suis le neveu Ahmed Khulamala, le père à Sarna. Et donc, elle a toujours insisté pour que j'aille à l'école. Parce que je vais vous citer un exemple. En 1971, elle était ménagère, comme elle a toujours été. Il y avait une grève des élèves ici. Moi, je partais du CG numéro 1 avec le groupe d'élèves pour atteindre les amis qui se retrouvaient pour faire la grève à l'époque du président Tom Mbalbaye et dont le ministre s'appelait Dikwa Garandi. Et donc, dans la rue, j'entendais Garandi, la justice, je ne comprenais rien. Et donc, j'arrive au lycée Eboué. Après, on a marché dans la rue, j'avais 13 ans, et ma mère était au marché. Quand elle est revenue, on lui a dit, les enfants sont en grève, il y a l'école Gaïdaouzou. L'école Gaïdaouzou, ok. Elle est donc allée me chercher. Alors que nous, on venait, on a été contenus devant les cérémonies de Normandie, avec la matraque et tous des policiers. De là où il y a les cérémonies de Normandie, il y a une rue actuellement qui passe vers la place de la Nation, vers Bololo, là où il y avait le mur du camp à l'époque. C'est là qu'il y avait des mamans qui nous ont cachés. Mais on a réussi à sortir, et je connais encore l'itinéraire comme si c'était hier. On est passé devant l'école Bololo et on est allé vers la direction de l'enseignement où il y avait le ministre à l'époque, là où on vend les appareils... ici, là, la direction des ressources humaines du ministère. On l'appelle Gartigo. Et c'est là que j'ai vu sortir quelqu'un de nulle part qui m'a attrapé
Il m'a dit, elle est chaud. Je lève la tête, c'est ma mère. Et donc, cette femme-là, elle n'a pas eu le temps de vivre. Elle aurait pu bénéficier de mes capacités actuelles pour l'amener ne serait-ce qu'à la Mecque. J'avais 15 ans quand elle est décédée. Mais son souvenir est gravé dans ma mémoire. Et grâce à mes oncles, j'ai poursuivi. L'un d'entre mes neveux est là, qui s'appelle Gawran Mamadi Ngarkelo Gawran. Grâce à son père, j'ai continué mes études. Grâce à d'autres oncles, j'ai continué mes études. Vous avez un petit-fils que vous aimez beaucoup. Il est spécial pour vous. Qui ça? Saleh Abdelkrim. Ah oui, bien sûr, Saleh. Il est dans la salle. Saleh n'est pas là? Il est où, là, Saleh? Comment est-ce que Saleh, à 12 ans, a fait pour vous séduire autant parmi vos petits-fils? Non, il est très curieux. Il est curieux, il regarde les bandes dessinées et tout le temps, il me pose des questions pour que je lui explique ce qu'il voit. Et il y a des choses, un jour, il m'a dit, « Baba, qu'est-ce que tu es en train de gigoter ?» Je lui ai dit, « Gigoter, c'est quoi ça ?»« Gigoter, ça vient des gigots, c'est quoi ?» Je ne sais pas gigoter de ma narve, dans ça, que gigoter. De. Il me dit, va voir le dictionnaire. J'ai ouvert, j'ai vu que gigoter, c'est justement d'aller à gauche, à droite, en zigzag. C'est ça, gigoter. Monsieur Seyd Farah, je suis sûr que vous avez un parcours tellement riche et des histoires tellement intéressantes à nous raconter qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui. On vous réinvitera sur le plateau pour parler encore plus de vous. Je suis vraiment partant et d'accord pour revenir. On vous reverra toujours sur le plateau en pleine forme. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, après cette interview aussi riche, un break s'impose, donc nous allons écouter de la musique. Elle a une voix suave, sensuelle, mais surtout pleine d'émotions. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble la sublime Estelle Tienda qui nous interprète ici « Je t'aime » de Lara Fabienne. Je t'aime.
je ne suis pas toi, je t'aime. Cher public, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, nous revenons sur ce plateau et à présent, nous irons vers un autre invité sur le plateau et c'est le tour de Madame Halima Ali Abbas-Séki. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau. Merci. Merci d'avoir, Halimé, si vous me permettez que je vous appelle Halimé. Vous êtes auteur, conférencière, mais normalement vous êtes diplômé en sciences de l'information de l'entreprise. Comment vous êtes arrivé de faire ce passage-là de quelqu'un qui travaille normalement en entreprise, parce que c'est toujours lié à l'humain, de se retrouver au centre aujourd'hui de l'univers qui concerne le développement personnel. J'étais dans un monde de système d'information, de l'entreprise, à faire de l'audit, du conseil, et aujourd'hui je me retrouve sur... du développement personnel, un vivre et une passion. Mais quand j'analyse un peu tout mon parcours, je vois qu'il y a un fil conducteur. Partout, au fait, là où je passe, dans toutes mes activités, j'ai toujours la même démarche. Par exemple, quand je faisais des missions d'audit ou de conseil, je venais à la rencontre, donc je venais analyser le système, et là, je rencontrais les hommes et les femmes qui composent ce système. Je les écoutais. J'essayais de comprendre comment ils fonctionnent, comment fonctionne l'information, comment ils sont organisés, comment ils travaillent. Ce qui me permettait ainsi de détecter les points de faillance, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ralentit l'information, et aussi également comment optimiser celle-ci, comment améliorer. D'accord. On entend aujourd'hui de plus en plus parler du développement personnel au Tchad, alors qu'il y a quelques années, Charles Nassara. Parce que ce n'est pas vraiment typiquement à la tchadienne qu'on puisse parler de développement personnel. D'ailleurs, même parler un peu en termes de tout ce qui tourne autour de la personne et ses compétences, c'est un peu même tabou dans certaines sociétés ici au Tchad. Comment c'est venu cette phase-là aujourd'hui qu'au Tchad, de plus en plus, on parle de développement personnel? Et d'abord, c'est quoi le développement personnel? En des mots simples, le développement personnel, je pourrais le définir comme une démarche qui consiste à travailler sur soi pour améliorer sa vie. Et à tort, on croit que ces choses-là, c'est les choses de Nassara, de Blanc, d'Occidentaux. Moi, je dirais que nous, les Africains, on a encore plus besoin de développement personnel que les autres. Tout d'abord, on vit dans des milieux hostiles. C'est très difficile pour un Africain le développement personnel dit qu'il faut rêver grand. C'est très difficile quand tu as des conditions qui ne sont pas les plus simples, de se dire tu dois dépasser tes conditions et te dire que tout est possible. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut développer une foi. Et tu vois, donc du coup, on a ce besoin de travailler sur nous, de changer notre mentalité, mais changer surtout notre mental, notre état d'esprit. D'accord. Et tu parlais du Tchad, c'est une très bonne nouvelle, moi. Je trouve que le fait qu'on en parle de plus en plus, que c'est un sujet qui commence à être de plus en plus connu. Parce qu'au Tchad, aujourd'hui, on est dans une nouvelle page de notre histoire. On est en train d'écrire celle-ci. Et si chaque Tchadien décidait à son niveau, sincèrement, prenait la décision, se disait, moi, en tant que Tchadien, qu'est-ce que je peux faire? Quel changement je peux apporter dans ma vie? Quel point d'amélioration? Quel point d'amélioration dans mon quotidien? Des petites choses, pas besoin de grandes choses. Et tu pouvais me dire, oui, non, mais ça ne se verra pas. Non, ça se verra. Et l'impact, la somme de tous ces petits efforts aura un impact plus que proportionnel. Et je suis convaincue que c'est le seul moyen pour que notre pays se développe. C'est la somme de nos petits efforts. Et on a tous un rôle à jouer. On a tous une responsabilité. Madame Halimé, vous avez publié il y a quelques mois « Reprenez votre vie en main, devenez une meilleure version de vous-même ». Est-il autobiographique? Est-ce que vous êtes arrivé à un moment donné, surtout à une époque, de vouloir vraiment reprendre votre vie à vous-même en main? Bien sûr, avant d'écrire ce livre, avant d'aborder ces sujets, de venir devant vous et de parler de ces sujets, j'ai travaillé sur moi. Pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai étudié sur ce domaine qui me passionne,
mais qui je sais au fait quel est le potentiel de ces démarches. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai voulu transmettre à des gens qui me ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un livre de développement personnel, c'est des Occidentaux essentiellement qui écrivent ce livre, mais qui n'ont pas notre réalité. Qui n'ont pas notre réalité. Quand un Occidental te dit, tu décides, c'est ta vie, tu dis, tu claques la porte à tout le monde, nous, on ne peut pas faire ça. On n'a pas tous ces moyens-là, toutes ces possibilités-là. C'est pour ça qu'il était important pour moi, maintenant que toutes ces choses m'ont aidé, ça m'a aidé dans la gestion de mes émotions. Je ne suis plus la même. Quand je pense à moi, il y a quelques années, monsieur Saïd Farah, quand il pensait à parler de sa maman, non, mais l'ancienne Halim, je serais par terre, c'est bon, je crois. Mais vous voyez, c'est ce travail sur moi qui fait que je suis toujours moi-même, je suis toujours émue quand j'entends ça, mais j'arrive quand même à me maîtriser, voilà, à me contenir. Et c'est un travail qui m'a apporté tellement que j'avais envie de le transmettre. Pourquoi ce titre, Reprenez votre vie en main, devenez une meilleure version de vous-même? Il est accrocheur, certes, mais n'est-il pas provocateur? Il est provocateur, mais c'est exactement ça. C'est pour devenir une version de soi-même. C'est ça notre objectif. Mon objectif n'est pas d'être le meilleur, the best. Non, c'est être meilleur que soi, mais être meilleur que celle que j'étais hier. Avoir des objectifs encore plus grands, me valoriser. C'est ça, au fait. C'est pour ça que c'est un titre accrocheur, mais qui dit tout également. Vous dites que votre objectif à travers ces livres est d'aider les jeunes et les moins jeunes à trouver leur voie. Est-ce que c'est un manuel de vie avec des solutions à toute situation ou qu'ils peuvent se référer à tout moment? Non, je pense que c'est un livre qui concerne tout le monde, jeune comme moins jeune. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Quand j'écoute le parcours de monsieur le ministre, je me dis tout ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, nous, on est au début. Si on se dit, on se donne les moyens pour aller encore plus haut, aller encore plus loin. Lui, il l'a vécu comme ça. Peut-être que ce jour, avant de commencer, il n'a pas eu cette analyse ou cette introspection en te disant où je veux aller, vers où je veux aller. Mais nous, on a cette chance-là. Donc, pour nous, les jeunes, c'est prendre les choses en main, c'est prendre nos responsabilités, faire des efforts, travailler sur nous, et ne pas accepter certaines choses et ne pas se laisser aller. Et pour les personnes plus âgées qui ont de belles expériences comme ça, c'est faire un retour d'expérience comme ce qu'il vient de faire. Ça aussi, c'est une prise. Il a pris sa vie en main. Vous dites, ces livres pourraient aider à cultiver notre paix intérieure. C'est quoi une paix intérieure, Yanni? Est-ce que comment se rendre compte qu'on a cette paix intérieure-là? Est-ce qu'il y a un baromètre standard qu'il faut atteindre par rapport à cette paix intérieure? La paix intérieure, c'est ressentir une tranquillité de l'esprit. Ressentir cette tranquillité. Pouvoir faire silence dans sa tête. Arrêter tout ce waswas, ce etechounou, mala, ce etechounou. C'est possible d'avoir une paix intérieure. Et pourquoi pas? C'est plus difficile, tu sais, c'est plus difficile. Notre waswas, nos quotidiens, on doit faire attention à tout. Tu vois, c'est plus difficile. Mais la foi, l'iman, qu'est-ce qu'elle apporte quand tu fais beaucoup d'astafar, tout ça? Ça te permet de faire juste silence dans ta tête. De t'apaiser. C'est notre objectif. Au fait, on passe à côté de l'essentiel. Mais l'essentiel, quand même, quand tu fais des prières, des invocations, c'est pouvoir atteindre cette paix intérieure. Pour pouvoir te dire, chut, pouvoir poser ta tête sur l'oreiller et t'endormir tranquillement, sans avoir de soucis, sans avoir tout ça. Et tu as raison, c'est important de te dire qu'il y a un baromètre. Quand est-ce que je suis en paix? Qu'est-ce qui me procure la paix? Et au contraire, qu'est-ce qui déclenche en moi toutes ces émotions négatives? Qui déclenche en moi toutes ces émotions négatives? Parce que pourquoi? Par exemple, le matin, tu te lèves, tu sors de chez toi, tu t'es pomponné, tu te sens bien, tu es bien maquillé, tu sors, tu te sens la reine du monde, et tu tombes sur quelqu'un qui va te sortir une petite remarque. Hi, Malaki, oui, je sais même pas si c'est intentionnel. Ouais. Mais c'est tellement méchant, tu ne le demandes même pas. Toi-même, tu vas commencer à chercher un miroir pour te dire ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu vois comment les gens ont ce potentiel. Ouais. Moi, j'appelle ça des gens toxiques. Et c'est important de savoir quand est-ce que je suis en paix.
c'est important de savoir quand est-ce que je suis en paix et qu'est-ce qui provoque en moi ces émotions négatives. Mm-hmm. Et de fuir ces situations. Il faut fuir les personnes toxiques, les situations. Éteignez vos téléphones, n'allez pas fouiller des statuts ciblés. Parce que tout ça, c'est fait exprès. C'est fait pour déclencher en vous ces émotions. Ah, une de la yarfou a dit les statuts ciblés. Pourquoi ils sont fous, là? Parce que c'est vrai que c'est... Hein? Et statut ciblé de chez nous? Statut ciblé, c'est un peu chez la spécialité des femmes. C'est tu mets un statut et pour faire croire que tu es heureuse, regarder comme nous sommes heureux, comme nous dansons, tout ça. C'est pas les employés, c'est les méchants, Tantine. C'est vraiment des gens... C'est vraiment des gens qui ont l'objectif de faire de créer de la jalousie, de la haine, tout ça. Surtout une de la hinin que l'on tire souvent. La hinin que tire. Et objectif, madame, de quelque chose. Ah, mais c'est pour ça que je pris cette habitude. Quand je mets un statut, je ne ni à guider que je suis là. Ni à guider que je suis là. Est-ce que ni à guider nourrir les nas de choufouni, Anna, d'un coup on est heureux, on est en famille, on est beau, on est grand, voilà, ni tire chou. Parce que c'est bien de mettre des statuts, tu partages le bonheur avec ta famille, avec tout ça et tout. Mais si ton nier est de faire du mal à des gens là. Et il ne faut pas oublier aussi, Adam, quelqu'un peut oublier ce que tu lui as dit. Il peut oublier ce que tu lui as fait. Ça va passer. Ah ouais. Mais il n'oubliera jamais ce que tu lui as fait ressentir. Et à toi, on a cette habitude, mauvaise habitude, Allah les Hadina, ne dougougue les pananaro. Ça qui est dougougue les pananaro. Tu sais très bien quel sujet il ne veut pas. Tu sais très bien quel contexte il ne veut pas. Tu vas aller aborder son sujet pour le mettre mal à l'aise. Mm-hmm. Il ne faut pas faire ça. Madame Ali, mais dans un passage du livre, vous dites être impressionné de constater à quel point chaque élément est à sa place et joue un rôle bien précis dans le cycle de la vie. Ça veut dire que chacun doit rester figé dans la place qui lui est prédestinée? Non, déjà, oui, je suis impressionnée. Moi, quand je vois des reportages sur la nature, c'est impressionnant de voir, subhanallah, comment chaque chose, même l'animal, il a une taille spéciale pour pouvoir survivre dans son environnement. Il a une couleur spéciale pour pouvoir, par exemple, être transparent, pour pas que son prédateur vienne le bouffer. Donc vraiment, Dieu a fait en sorte vraiment quelque chose de parfait, parce que d'harmonieux et tout a un sens et tout a une signification. Mm-hmm. Et nous c'est pareil au fait, non seulement la nature nous apprend beaucoup, mais moi je me dis que chacun de nous, on est tous nés pour un but. On est tous nés pour un but, je suis née avec cette taille là pour un but, tout est parfait et tout a un sens. Et donc l'objectif au fait, la mission de chacun d'entre nous serait de trouver ce but, de te dire voilà, moi j'ai ce talent là, il faut que je l'exploite et que je le mette au service du monde. Moi, je dis dans la vie, ayons une vie épanouissante pour nous. Profitons, ayons une vie épanouissante, mais que notre vie soit utile. Qu'elle soit utile pour l'humanité. Qu'elle soit utile pour notre pays. Nous avons tous un rôle à jouer. Madame Alimé, vous dites encore, hein, pour prendre la pleine mesure de nos bénédictions, il nous est souvent conseillé de regarder ceux qui possèdent moins que nous, pas matériellement, hein, pas de manière aussi peut-être physiquement, parce que non de façon assez condescendante, mais pour une prise de conscience. Et là, vous racontez un passage d'un homme né sans membre, c'est-à-dire ni bras ni jambes, et qui fait des choses assez extraordinaires. Il a un enthousiasme incroyable. Racontez-nous cette expérience-là. C'était une conférence aux États-Unis, donc un show à l'américaine. Et donc, du coup, au départ, on a un grand cinéma. Il y a un film, un monsieur qui est né sans membre, comme disait Adam, sans bras, sans jambes. Et là, on le voit grimper l'Himalaya, traverser cette forêt, nager dans cette rivière, en tout cas faire des choses que tu te dis, c'est pas possible, comment il fait ça? Et à la fin, ce monsieur sort. Donc il vient tac, tac, tac avec ses moyens et il nous dit, ça c'était mon rêve. Et vous, quelle est votre excuse pour ne pas réaliser vos rêves? Là, moi, boum, j'ai une claque. Je me dis, mais attends. J'ai mes deux jambes, alhamdoulilah, mes deux bras. Et j'ose me plaindre. Mmh. Et après, il y a même le miroir et il dit, je suis parfait. Je suis beau et je suis parfait. Ce que nous, on peut croire,
comme de l'imperfection, parce qu'il est handicapé, il n'a pas de membres. Lui, il l'a utilisé, il en a fait une force, et il s'est dit, ça c'est ma perfection. Parce que nous sommes tous parfaits. Sawarakum, ahsana sawarakum, nous sommes tous parfaits. Faisons la promo du livre, hein, pour inciter peut-être les Tchadiens et tous ceux qui nous regardent à vouloir le lire, à réprimer votre vie. En quoi est-ce important d'avoir ces livres-là comme un livre de chevet? C'est important d'avoir ce livre ou tout autre livre de développement personnel, en tout cas quelque chose qui vous motive. Parce que la vie est faite de telle sorte à aujourd'hui ça va, demain c'est un peu plus difficile. La vie est faite de haut et de bas. Et quand on est en bas, il faut trouver ces choses, quelque chose qui te motive, qui te remette directement sur la selle et qui te permette d'avancer. Ça peut être un audio, ça peut être des vidéos. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, les réseaux sociaux, utiliser à bon escient, c'est vraiment une richesse incroyable. Le nombre de tafsir qu'il y a, le nombre de conférences, de presse, utilisez ceci. Il y a un travail monstrueux qui est fait et qu'on peut utiliser quand ça va mal. Écoutez quelque chose qui vous fait du bien. Lisez quelque chose qui vous fait du bien. Revenez, reconnectez-vous et repartez pour vivre vos rêves. Madame Alimé, on me dit, hein, quelque part que vous n'aimez pas vous mettre à l'avant, vous n'aimez pas les projecteurs, les caméras, et pourtant, vous êtes une conférencière. Vous donnez des conférences et tout ça. Qu'est-ce qui fait cela? Donc c'est vrai que moi, c'est... comme je suis vraiment, mon humilité fait que des fois ça me joue des tours dans la mesure où je suis tellement humble que j'ai pas envie de me mettre en avant. Mais je suis arrivée à un stade dans ma vie où je me dis, mon travail et ce que j'ai fait et ce que je sais, ça serait dommage de ne pas le mettre en avant parce qu'il peut aider des autres. Et c'est pour ça. Pour ça, je suis sortie de ma zone de confort et je me suis dit non, si même si ce que je dis peut aider une personne, si ce que je dis peut aider une personne, pour qu'elle puisse se dire « Ah, c'est possible, j'ai de ce potentiel, je peux y arriver, je peux me dépasser, j'aurais gagné. » Donc je suis dans ce jeu de lumière pour ça. Et Adam, tu parles de lumière. La lumière, moi on m'a très tôt dit ça, et en tout cas j'en ai très pris conscience, il ne faut pas courir après la lumière. La lumière, elle vient à toi. Tout seul. La lumière, elle vient à toi. Quand tu cours après la lumière, tu vas vite te brûler les ailes. Ah oui. Et c'est un conseil qu'on peut donner aussi à nos jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs. Je vois qu'il y a beaucoup de... Là, depuis le lancement de mon livre, j'ai fait beaucoup de conférences et auprès surtout des jeunes entrepreneurs. Et je trouve qu'il y a un petit défaut, on va dire, c'est qu'ils amènent la lumière trop tôt. Le projet n'est même pas encore fait. Leur graine n'a même pas encore été plantée. Ils appellent toutes les caméras, venez, venez, je suis en train de planter la graine, mon projet, je suis entrepreneur. Non, c'est pas ça. Ce travail nécessite beaucoup de silence. Et la communication, quand elle est faite trop tôt, elle peut tuer votre projet. Quand elle en a trop, elle peut tuer votre projet. Il faut savoir l'ajuster. Il montre une fleur sans avoir des racines. Pardon? Il montre déjà une fleur sans qu'il y ait des racines. Juste la graine dans la main. C'est mon projet, je suis entrepreneur. Non, c'est pas ça. Le projet parlera de lui-même. Faites travailler et c'est le travail qui parlera de vous lui-même. Madame Alimé, au Tchad, hein, comme d'ailleurs dans plusieurs sociétés en Afrique, être femme et être libre de penser, pouvoir écrire un livre demande beaucoup de courage et de détermination. D'où vous est venue cette force-là? À quel moment vous vous êtes dit, voilà, il faut que j'écrive ces livres pour les autres et que je dois vraiment transmettre ce que je pense aussi pour les autres? Donc je dirais, là, c'est aussi l'endroit de remercier mes parents, parce que c'est grâce à eux, ça c'est leur œuvre, ils m'ont permis de dépasser, même les conditions que j'avais, que j'avais en tout cas de croire en moi, de développer mon potentiel, ils m'ont fait confiance. Et ça vraiment, je leur rends grâce et après avec un peu d'effort, un peu de responsabilité, on fait le nécessaire et on avance quoi. Dernière question, comment vous vivez aujourd'hui cette notoriété qui a acquis, hein, à l'accueil de votre livre, c'était une mobilisation folle, on peut le dire. Comment vous vivez aujourd'hui cette, et surtout une mobilisation
folle et immédiate. C'est devenu une autorité assez présente au niveau national. Comment vous vivez cela? Merci beaucoup, merci. Je le vis, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que à chaque fois, vraiment, je remercie les Tchadiens parce qu'on dit que les Tchadiens n'aiment pas lire, c'est pas vrai. On dit que les Tchadiens ne se soutiennent pas, c'est pas vrai. J'ai jamais eu autant d'amour. Mm-hmm. Ils me voient et disent, oh, on est content, tu as écrit ce livre, tout ça et tout. Et à chaque fois, je dis, vous savez, quand Dieu vous aime, il met l'amour qu'il a pour vous dans le cœur des humains. Et à chaque fois qu'il m'aime, je dis ça. Je me dis, Alhamdulillah, à chaque fois. Je me dis Alhamdulillah, Alhamdulillah. Madame Halima Ali Abbasseki, merci d'avoir été une invitée au Positif. Merci beaucoup, Adam. Merci, Adam. Nous allons marquer une pause, mesdames et messieurs. Et cette pause, elle est assez spéciale. C'est assez nouveau aussi sur le plateau de Positif. Elle est très discrète. Elle est sensible, pleine d'énergie, très esquive aux projecteurs et aux caméras. Mais pour au Positif, elle a décidé de faire une exception. Mesdames et messieurs, sur le plateau de Positif, Madame Ramada Abderrahim Diaye, dans un monologue très profond qui nous fera tous réfléchir. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre présence sur ce plateau. Durant votre rencontre avec l'auteur de Au Positif, hein, vous lui avez raconté quelque chose de particulier qu'il a vraiment marqué et qu'il a voulu partager avec nous tous aujourd'hui, avec les téléspectateurs et le public qui nous regarde ici, qui suivent Au Positif. C'est quoi c'est? Bonjour Adam. Bonjour Yasmine. Bonjour le public, les invités d'Au Positif. En effet, lorsque l'auteur m'a contacté pour participer à l'émission, on a eu un échange très intéressant, qui m'a d'ailleurs beaucoup inspirée, à la suite duquel je me suis demandé comment participer à l'émission en mettant à profit mes réflexions personnelles. Et donc c'est pour ça que c'est avec un réel plaisir que je suis là, même si je ne suis pas très à l'aise avec les interviews, comme vous avez dit. Mais c'est un réel plaisir d'être là, de pouvoir partager avec vous mes réflexions sur des sujets de débat de société, en fait, des sujets qui me tiennent à cœur, mais des sujets très importants qui peuvent en interpeller beaucoup d'entre nous ici. Et donc, je ne suis pas là, bien sûr, pour donner des leçons de vie, parce que j'en serais de toute façon incapable. J'aurais certainement beaucoup à apprendre de mes aînés qui sont là, parmi les invités, ou parmi le public, mais j'aimerais exprimer tout simplement la chance que nous avons tous, ou en tout cas personnellement, la chance que j'ai d'être née dans ce pays. D'être née dans un pays aussi multiculturel et d'une si grande et riche diversité que le Tchad. La diversité, c'est un ensemble de personnes différentes, tous différents les uns des autres, d'origines différentes, originaires de régions différentes, c'est-à-dire d'origines socio-culturelles différentes, de géographiquement différentes, de religions différentes, d'âges, de sexes différents, mais qui évoluent ensemble en parfaite harmonie, qui évoluent ensemble parce que chacun, de par son origine, de par sa culture, sa langue, sa richesse, apporte une valeur ajoutée et apporte sa riche valeur à l'intelligence collective. Mais la diversité, un sujet très intéressant, un sujet universel dans lequel je pense que nous nous reconnaissons tous, est-ce qu'aujourd'hui on en profite réellement? Quels avantages elle nous procure? Quels profits nous en tirons? Et est-ce que nous en tirons le meilleur des profits? Et c'est en essayant de répondre à ces questions que mon subconscient m'a mené vers un livre que j'ai lu il y a quelques années et que je recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas lu. Il s'agit des identités meurtrières de l'auteur Amin Maalouf. Et donc, Amin Maalouf, dans ce livre, il questionne l'identité. Il questionne l'identité et ses conséquences sur la vie collective, les conflits qu'elle peut occasionner. Et donc, il traite du repli identitaire, les appartenances. Le repli identitaire, c'est le fait de dire « moi, ma communauté, mon ethnie, ma région, ma religion,
Et c'est un comportement complètement exclusif, excluant, qui laisse les autres en dehors. Et qui met à mal la diversité, justement. Parce que la diversité, normalement, c'est un moteur, c'est un rôle moteur, c'est une force, une opportunité. Mais quand elle est mise à mal, elle ne nous profite pas. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à travers mes réflexions, je me suis dit que la diversité, telle que nous la connaissons, aujourd'hui, elle n'est pas assez utilisée à bon escient. Elle ne nous profite pas, elle est entravée. Mais comment mettre à profit la diversité? Amin Maalouf, dans son livre, il fait un plaidoyer très humaniste pour l'ouverture des hommes, les uns vis-à-vis des autres, pour un plus grand brassage culturel. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui nous permettra de profiter, de tirer un réel profit de la diversité. Sinon, on dira qu'au Tchad, on a une grande et riche diversité, mais qui, en fin de compte, ne nous servira pas à grand-chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une grand-mère qui dit toujours « Il n'y a rien de plus important que l'être humain ». Elle le dit en arabe, c'est une grand-mère de notre voisinage qui nous dit « Shogol halou michil insand, ma fi. Shogol halou michil nadund, ma fi. » Et pourquoi elle dit ça? Je reviens tout de suite pour vous expliquer pourquoi. C'est parce que la diversité, elle apparaît insatisfaisante. En ce sens qu'elle a quelque chose aujourd'hui tel que nous la vivons, elle a quelque chose de comparatif qui consiste à accepter l'autre, à accepter son prochain. Et alors, j'ai continué mes réflexions à la recherche d'un terme, un mot qui pourrait aller au-delà de la diversité, qui pourrait transcender la diversité et qui pourrait, au-delà d'accepter l'autre, nous amener simplement à aimer l'autre. Donc non pas accepter l'autre, mais aimer l'autre, tout simplement. Et c'est là où je reviens à la phrase fétiche de la grand-mère. C'est ça, c'est la valeur de l'être humain. شغل حلو من إنسان ما أخده أكيد parce que البني آدم ده هو خلقونا كل أي واحد خاص أي واحد في وحدته يعني البني آدم هو واحد في ذاته اليوم ده عندنا 8 مليار في العالم 8 بني آدم لكن ما في 2 سوا sur les 8 milliards d'êtres humains il n'y a pas 2 d'identiques. C'est dire combien l'être humain est précieux et combien il est unique. كيف الإنسان هو نادر وهو خاص عشان ده لازم نعرفه كيف الوحدة دي مهمة أهم شيء هي مهمة ذات من الديفرسيتي نقوله بالعرب الفصحى نقوله التنوع الثقافي وبعربنا نتشاد كمان نقوله الديفرسيتي الوحدة أن الإنسان دي مهمة من ديفرسيتي ذاته عشان ده بس يخلينا نستفيد ونفيد من الديفرسيتي كما كي ما نقدر نفيده اليوم ما أكيد هل قاعدين نستفيد من هذا التنوع ما أكيد عشان ده لازم نقبله revenir à l'essentiel la base de tout qui est l'être humain et donc mes recherches m'ont amené à l'être humain comment à la recherche d'un mot qui puisse transcender justement la diversité c'est le mot unicité l'unicité d'Abdel Wahad dit l'unicité de l'être humain le caractère unique de chaque être humain. Dans chaque être humain, il y a quelque chose de spécial que nous devons chercher à connaître, que nous devons être curieux de découvrir. Nous-mêmes, on est uniques et les autres sont uniques. En cherchant à découvrir ça, en prenant pleinement conscience de notre unicité, on pourra aller facilement vers les autres, on sera plus ouvert aux autres, on va réaliser à quel point ils sont uniques et ça va nous sortir de cet état. Et c'est cela qui va nous sortir tous de cet état de conflit, de distance, de méfiance qui caractérise parfois les rapports humains, de ce mur de détestation qui parfois se dresse entre les êtres humains. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, bon, une anecdote que je vais vous raconter. Bon, pas une anecdote, mais je prends un exemple. L'exemple du sentiment d'envie, le fait d'envier son prochain. C'est un sentiment négatif, un état de comparaison à l'autre qui n'existerait même pas si chacun savait qu'il est unique. C'est-à-dire que chacun serait occupé à faire émerger sa propre unicité, ses talents, ses compétences. Il ne chercherait pas à ressembler à l'autre. Au contraire, il va chercher à être différent de l'autre et voire même à faire mieux que l'autre.
Donc voilà pourquoi l'unicité est très importante, pourquoi nous devons tous chercher à embrasser notre unicité et s'ouvrir à l'unicité de l'autre. Tout compte fait, le terme d'unicité en fait nous appelle à nous regarder les uns les autres avec le regard d'une mère, avec les yeux de la maman. Pourquoi je dis ça? Parce que la maman, elle connaît chacun de ses enfants. Et l'unicité, en fait, c'est toutes ces choses qui nous composent. Nous avons tous ces singularités. Ça peut être un talent, une compétence, des habitudes, des valeurs rares. Et la maman, dans ses yeux, elle voit tout ça. Elle connaît chacun de ses enfants dans ses limites, dans ses compétences, dans ses aptitudes. Et c'est pour ça que la maman, elle aime ses enfants d'un amour renforcé. Pourquoi? Parce qu'il est unique, il est adapté à chacun dans son unicité. Si nous nous regardions tous avec le regard d'une mère, on arriverait à être bienveillants les uns envers les autres. Et donc, ça me rappelle moi-même ma mère quand on était jeune. Elle nous disait, d'un de mes frères et sœurs, que je te souhaite tel ou tel, et toi exceptionnellement, je te souhaite ça. Et nous les autres, on pouvait être un peu jaloux et se demander, mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Ou bien parfois, elle pouvait dire d'une de mes sœurs, celle-ci, elle est un peu plus fragile, elle va un peu l'aménager. Et nous, on va aussi se demander, mais pourquoi on est tous fragiles, etc. Mais je pense que la mère, elle sait mieux. Le bon Dieu, il sait mieux, et après, c'est la mère. La mère, elle sait mieux, elle sait de quoi sont composés exactement tous ses enfants. Et c'est vraiment ce regard-là qu'on doit chercher à porter les uns sur les autres. Walakin shay ki aham ma yajma min insan da min bani adam da ma fi. Debes, c'est vraiment la chose que j'aimerais qu'on puisse retenir. Alors, si on voit quelqu'un, nous chauffons, ma illa zul yakda mas'oul ay narum de inda shoghol wa khas al inta tam. Si on se met des barrières, on les verra pas. Shoghol da khas ou shoghol da nadir kan fatpechna irifna da narum da wa yumkin na'allumu minna zata. On ne doit pas s'arrêter aux barrières physiques, aux barrières socio-culturelles, etc. Voilà, en fait, Adam, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être sur ce plateau. J'ai eu le cadeau donc, de partager ces petites réflexions avec vous. Merci, Ramadan. Merci. Mais cette chance, je l'ai eue, mais j'aimerais aussi que nous nous fassions tous un cadeau. C'est-à-dire, ensemble, de faire la promesse, de prendre un petit engagement, de nous dire qu'on va donner un sens à ce mot fort qui est l'unicité. On sera à l'écoute de nous-mêmes et on sera aussi à l'écoute des autres. Et comme ça, on pourra donner vraiment un sens à ce mot fort, sans oublier qu'on n'est pas obligé de s'accepter, on peut tout simplement s'aimer. Merci beaucoup. Merci Madame Ramadan. S'il vous plaît, nous l'accompagnons avec plein d'ovations. Merci beaucoup. Esmine, nous allons continuer sur le plateau. Monsieur Souleymane Abdelkarim Chérif, bienvenue sur le plateau d'Oppositif. Merci. Merci. Quand l'évidence ne suffit plus, ce roman qui a gagné plusieurs prix à l'international, donc celui du grand roman africain de Cheikh Hamidou Kane, raconte l'histoire d'un employé qui a perdu la mémoire. Et donc vous transportez vos lecteurs vers des réflexions profondes et sur des thèmes qui concernent l'espèce humaine. C'est un exercice très complexe, il faut le dire. Alors, dans ce roman, quel est votre exercice ? Ok, merci pour l'invitation. Ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est que le livre date quand même des années 2012. C'est l'année de sa parution. C'est un livre, effectivement, qui a été remarqué à l'international, notamment à sa sortie en 2012 et en 2016 également. Ce livre, avec le temps et la distance, j'ai même envie de vite l'oublier, ce livre-là. Parce que je considère que c'est un livre, le livre de mes débuts, c'est le livre de mes imperfections, de mes tâtonnements. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance de gagner déjà beaucoup de prix. Et je sais que je dois ma présence à ce plateau, certainement à ce livre-là. Et parce que depuis lors, je n'ai pas écrit un autre livre. C'est difficile pour moi de parler de ce livre. Je pourrais peut-être vous dire quelles ont été les choses qui m'ont
conduite à écrire ce livre-là. Ça n'a jamais été un projet, déjà, ça c'est important de le savoir. Je ne me suis pas mis en tête l'idée d'écrire un livre. Je ne me suis pas dit, il va falloir que j'écrive un livre dans un certain délai. Je suis tombé, un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite très tôt, dans la marmite de la potion magique très tôt. J'ai été porté dans le monde de la littérature par mon défunt père, qui était militaire d'ailleurs. Je le sais aujourd'hui, mais à l'époque je ne le savais pas. C'est d'abord quelqu'un qui a été de formation universitaire, mais qui s'est retrouvé dans l'armée. Par la force des choses, par la suite évidemment, j'ai su pourquoi. Donc c'est avec lui, je me rappelais qu'il m'avait offert un super Picsou à l'époque. J'avais, je crois, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je ne savais pas lire. Et comme je ne savais pas lire, il me demandait, vous savez, le principe des illustrés, c'est des bulles qui communiquent. Il me dit, tu n'avais qu'à inventer des choses que celui-ci se disait avec l'autre. Il m'expliquait le fonctionnement des bulles, que quand la bulle est orientée vers tel personnage, c'est elle qui parle et l'autre qui répond, ainsi de suite. Donc déjà, à cet âge-là, on était déjà dans le monde de la littérature. On a, pour notre génération, nous étions MC Solar totalement à fond. On écoutait MC Solar, on avait tous ses albums. À l'époque, c'était des cassettes. On l'écoutait et il a développé chez nous l'amour de la lettre. L'amour de la connaissance, de la grand-mère aussi. On apprenait ces textes par cœur, on faisait des challenges entre les amis. Et je pense que j'avais écrit mon premier... c'est un scénario, je pense que je l'avais écrit à l'époque. Je devais avoir 16 ans. C'était un scénario sur 30 pages. Et c'est comme ça, c'est parti d'une prétention. Et un jour, je rencontre un ami très cher à mon père, c'est son ami d'enfance, c'est son meilleur ami. Je suis sûr qu'il va suivre l'émission, docteur Massal Yacoub, et qui dit, mais il m'appelait affectueusement, comme ça un historien, vous le savez, Souleymane le Magnifique. Il dit, Souleymane le Magnifique, tu peux écrire. Et je pense que j'ai pris la grosse tête à ce moment-là. Et je me suis mis en tête peut-être que j'écrirai un jour. J'ai écrit ce livre-là très tardivement. Je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire en 2008 et je l'ai publié en 2012. Et comme j'avais pas ce projet d'écriture, j'écrivais pour passer le temps. Peut-être pour me prouver que j'étais capable d'écrire quelque part. Parce que toutes ces choses-là, partent toujours de quelque chose de narcissique, de quelque chose de personnel. Donc, j'écrivais à mes heures perdues, à côté de l'université, j'écrivais. Un jour, un ami, qui était un peu le souffre-douleur, à chaque fois que j'écrivais un chapitre, c'est lui qui lisait, c'est lui qui il souffrait de le lire, parce que j'ai pas forcément une écriture facile à ce qu'on dit. Et à la fin, il me dit, il vient chez moi et il dit, on ne va pas garder ce livre-là dans les cartons. Il va falloir qu'on envoie ça chez l'éditeur. Et c'est lui qui l'a envoyé chez l'éditeur, à mon insu et presque sans mon autorisation. Et quand il l'a envoyé chez l'éditeur, parce que généralement, pour ceux qui ont déjà écrit un livre, ils savent que ce n'est pas toujours évident de trouver un éditeur tout de suite. Quand vous envoyez le projet à plusieurs maisons d'édition et ils le lisent et quand ça les intéresse, ils prennent part à cette aventure qui est la fabrication du livre. Donc lui, il l'a envoyé à l'Armatan qui était proche, parce qu'à l'époque, j'étais au Sénégal. Et l'Armatan a accepté de publier ce livre-là. Je pense qu'il n'y avait pas... On avait fait quelques allers-retours pour des questions de correction, etc. Et après, le livre, il est sorti. Voilà, donc à sa sortie, il a été... Et là encore, hein, même pour la participation du prix, c'est un ami qui l'a envoyé. Voilà, c'est pour vous dire que... Je n'ai pas eu cette intention de l'écrire. Voilà. Donc c'est un livre, comme vous l'avez dit, très rapidement, c'est d'abord un roman policier. C'est ça sa particularité. Parce qu'en Afrique, on n'écrit pas très souvent des polars. Quoi. Les romans policiers, ce n'est pas trop notre domaine.
peut-être parce que le contexte aussi ne s'y prête pas, et, etc., etc. Donc c'est un polar, c'est un roman policier, mais je prétexte de ce roman policier pour extrapoler dans tous les domaines. En l'occurrence, la question de l'identité, ce soir on a beaucoup parlé d'identité. La dernière intervention est assez édifiante sur cette question-là. L'identité, c'est, à mon avis, et chacun d'entre nous a fait cette expérience douloureuse avec ce mot-là. Et aujourd'hui, on le voit au Tchad, hein. On voit notre société, elle est malade. Elle est malade, elle vit une crise d'identité, tout simplement. Elle vit une crise d'identité. Justement, en parlant d'identité, dans le personnage que vous décrivez, il perd sa mémoire, donc son identité. Tout à fait. Et nous savons tous que nous avons une identité qu'on s'attribue et une identité que les gens nous attribuent. Oui, et forcément, les deux ne coïncident pas. Oui. Quelle est donc l'identité que vous vous attribuez ? Ah, la question de l'identité, c'est une question très compliquée. Très sincèrement, dans le silence, j'admirais le courage de Halimé et Ramada, parce que parler de ces questions-là, c'est très compliqué. Nous entretenons tous une espèce de double identité, ce que j'appelle un en dedans et un au dehors. Vous voyez, aujourd'hui, on s'habille pour la circonstance parce qu'on va passer devant les caméras, on se fait tous beaux, etc. J'ai été maquillé pour la première fois aujourd'hui. Voilà. Et donc, je suis en train de jouer la comédie pendant que je suis en train de vous parler. Mais en privé, c'est sûr que je ne parlerai pas comme ça. Je ne vais pas utiliser le registre vocal que j'utilise, etc., etc. Donc, on a une identité qui est une identité pour les autres et une identité qui est un peu plus intime. Et donc, l'identité, c'est quelque chose entre les deux. C'est forcément quelque chose entre les deux. Et ce que moi je veux que les gens comprennent, c'est que l'identité n'est pas assignable. On ne peut jamais l'assigner. Vous entendez l'expression assignation à résidence. Assignation à résidence, on aime bien assigner les gens à des choses fixes. Or l'identité, c'est tout sauf quelque chose de fixe. L'identité, c'est quelque chose de dynamique. Ça se nourrit des interactions des uns et des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Après l'identité, on va parler du bonheur, parce que les grandes questions sur l'existence, on sait tous, se posent en termes de douleur, de maladie, de mort, mais presque jamais en termes de bonheur. Comment est-ce que vous appréhendez le bonheur ? Vous avez des questions extrêmement compliquées, hein ? Extrêmement compliquées. Non, si j'avais vraiment la réponse à cette question-là, je serais best-seller, hein, ça c'est sûr. Oui. Non, c'est compliqué de parler du bonheur. Tout à l'heure, on parlait de la valeur du silence. Et il y a un proverbe indien qui dit qu'il faut 2 ans pour un être humain pour parler. Il est bébé, il va 2 ans, il va apprendre à parler. Et figurez-vous, toute une vie pour apprendre à se taire. Vous voyez la valeur du silence. Et quand le silence, je crois que c'est une porte ouverte à la sagesse. Y aurait-il quelque chose que M. Souleymane aurait voulu dire à ses parents, mais que l'occasion lui aurait manqué et aujourd'hui ils ne sont plus de ce monde, paix à leur âme? Qu'est-ce que vous auriez aimé leur dire et que l'occasion vous ait manqué? C'est... Pour être honnête avec vous, c'est la partie que je redoutais le plus. Parce que je suis tellement introverti que j'ai du mal à parler de ça. J'ai perdu mes parents très tôt. Je pense que toute la trajectoire de ma vie est pointée de résilience. C'est un mot qui est à la mode actuellement. J'ai enterré mon père à l'âge de 17 ans et ma mère à 31 ans. Et tous deux n'ont pas atteint l'âge de 50 ans. Donc dans la quarantaine comme moi aujourd'hui. Mes parents n'ont pas connu mes enfants. C'est mon seul regret, mon plus grand regret. Voilà, parce qu'ils sont particulièrement très futés. Voilà. Et ma première fille, naturellement, je lui ai donné le nom de ma mère. Parce que, vous savez, une mère, Victor Hugo disait que maman est le nom de Dieu dans la bouche d'un enfant. Et je trouve que c'est une formule qui est particulièrement vraie. Quand un enfant dit maman, il n'est pas en train de dire autre chose que Dieu. Parce que pour lui, une mère, c'est un Dieu. Voilà. Donc, c'est douloureux. Vous comprenez donc que je verse des larmes lorsque je parle de ma mère. C'est à cela justement que j'ai fait allusion. On entend souvent dans les discussions
indiscrètement entre hommes, se dire un homme marié ne doit pas trop discuter avec sa femme, sinon, comme on le dit en arabe tchadien souvent, tahagirak. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Je vais vous dire en arabe tchadien, dakhal bak sakit. Non, c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Je pense que une épouse, c'est d'abord un compagnon de vie. Pour vous, c'est quoi l'amour et c'est quoi la passion? Le bonheur, l'amour. Ah. Alors, ces thèmes-là doivent faire l'objet de toute une conférence, hein. Ça c'est sûr. Hein. En quelques mots. Ça c'est sûr. Non, l'amour c'est... Et si je vous dis je ne sais pas, ça vous convient pas naturellement. Je sais que ça vous convient pas. Je pense que quand on commence à aimer, c'est quand on a cessé de s'aimer soi-même. Je ne dis pas qu'il faut se détester. Je dis quand vous commencez à considérer l'existence des autres. Ce n'est pas forcément dans votre rapport de couple, mais l'amour des autres. Quand on fait injonction aux gens de s'aimer les uns les autres, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple et on sait la place qu'occupe ce mot-là dans la tradition chrétienne. L'amour, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. C'est d'abord cesser de s'aimer. Pascal disait du narcissisme, hein, il disait, il dit que le moi est haïssable. Hein? Anna. Il faut que tu cesses de dire Anna pour pouvoir aimer les autres. Si tu es dans ton Anna, tu ne peux pas aimer les autres, c'est impossible. Je pense. Moi, je pense plutôt, Souleymane, que si on a tellement de l'amour, en soi, qu'on le donne aux autres. Oui. On a tellement d'amour en soi. C'est vrai. Qu'on le partage autour de soi, on le donne aux autres. Alors, c'est ça ma conception de l'amour. Et c'est vrai. C'est vrai, j'ai une grand-mère, paix à son âme, qui disait, je vous le dis, hein, elle est fidèle à son époque. Elle disait, Nadou ma chaîne de fille, la coulachène. Hein? Alors nous, au départ, on s'amusait parce qu'on la trouvait un peu intolérante, elle critique les autres. Avec le temps, je me suis rendu compte que quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Quand tu ne t'aimes pas, tu es incapable d'aimer les autres. Donc si tu te trouves beaucoup de défauts, tu vas en trouver plein chez les autres, ça c'est clair. Donc oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Alors, les femmes aiment souvent parler en parabole. Et si un soir, votre femme vous dit, tu sors tous les jours, tu me laisses toujours seule à la maison, reste ce soir avec moi, quel est le message, selon vous, qu'elle veut vous envoyer? Heureusement que ce n'est pas mon cas. Hein. J'ai la mauvaise réputation d'être casanier. Est-ce qu'elle est là, votre femme? Elle vous accompagne aujourd'hui? Elle est là avec ma fille. Voilà. Ah, mais vous êtes chanceuse, madame. À qui voulez-vous dire merci pour finir? À mes parents, mais particulièrement à ma mère. Je vous disais qu'elle est partie très jeune, mais je pense qu'elle a eu le temps de mettre en chantier ce qui a donné l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, maman. Merci Yasmine. Merci Monsieur Souleymane. Yasmine, nous revenons sur ce plateau et à présent nous venons vers une de nos invitées. Madame Dakou, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Machallah, hein, nous avons tout à l'heure lu votre fiche. On pourra vous surnommer une Wonder Woman. Parce qu'avec plusieurs activités, plusieurs diplômes à votre actif, vous êtes vraiment, on peut dire, c'est quoi votre casquette principale? Parce que vous êtes à la fois journaliste d'investigation, vous êtes à la fois dans la communication événementielle,
Vous êtes dans la relation publique et presse. Vous êtes peintre quand vous avez du temps. C'est quoi votre casquette principale? Alors, me concernant, alors je m'appelle Dakou. Je suis chef d'entreprise depuis 4 ans, communicante et journaliste d'investigation. Et comme vous l'aurez deviné, mon principal centre d'intérêt, c'est les médias. D'accord. Vous cherchez ou vous courez après quoi dans la vie exactement? Oh, très bonne question. Alors, je cherche surtout à être heureuse auprès des miens et à vivre une vie paisible et calme tout en atteignant mes objectifs les plus ambitieux, c'est-à-dire accomplir tout ce qui me tient à cœur, comme m'élever encore plus dans ma foi, réussir ma carrière professionnelle et poursuivre mes passions. Vous êtes journaliste d'investigation, hein. Vous êtes peut-être l'une des rares, si vous n'êtes pas la seule, peut-être cadienne, à avoir fait cette spécialité. Pourquoi ce choix? Et c'est quoi la différence entre un journaliste ordinaire, un journaliste reporter, ordinaire d'un journaliste d'investigation? D'ailleurs, pour commencer, je tiens à vous dire que ça serait prétentieux pour moi de dire que je suis la seule journaliste d'investigation au Tchad. Mais sinon, pour faire court, en fait, un journaliste d'investigation, c'est quoi? C'est le détective de la vérité. C'est-à-dire que son job consiste à découvrir des vérités cachées et révéler les secrets les mieux gardés, comme la corruption, les abus de pouvoir, tout ce qui atteint aux droits de l'homme, etc. Mmh. Donc voilà, c'est un métier qui est assez noble. Et à la différence du journalisme traditionnel, qui lui en l'occurrence s'agit de diffuser des informations plutôt générales. Et voilà, c'est ce qui fait la différence des deux. Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit que voilà, vous voulez faire du journalisme, surtout d'investigation? Alors, quand j'en avais parlé à mes parents, je devais avoir entre 10 et 11 ans. Et je leur avais dit que je voulais devenir journaliste. Du coup, ils l'ont plutôt bien pris. Ça a été bien pris. Du coup, depuis cette époque-là, on m'appelle la journaliste et ils le font jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ils l'ont plutôt bien pris, m'ont encouragé et soutenu à suivre cette voie. Et je sais que je ne serai pas là sans eux. D'accord, vous êtes née et grandie en Algérie. Parlez-nous de votre enfance à Alger et à quel âge vous êtes rentrée au Tchad? Alors, effectivement, je suis née et j'ai grandi en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie est un pays qui est riche en culture et en histoire surtout, qui a beaucoup d'infrastructures et surtout de magnifiques plages et tout ça. Donc oui, mon enfance là-bas était plutôt basique, normale. J'ai passé du bon temps avec ma famille, mes sœurs, mes parents. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on soit aussi liés. D'ailleurs, tout le monde est venu. Et je le remercie. Donc voilà. Et j'ai dû quitter l'Algérie à l'âge de 16 ans, il me semble. Ça me faisait mal au cœur de laisser mes sœurs, ma mère et tout ça en Algérie. Mais ça me faisait encore plus mal de partir et de vivre loin de mon père. Du coup, j'ai dû le suivre au Tchad et j'étais la seule de tous mes frères et sœurs à rentrer avec lui. D'accord, à votre arrivée au Tchad, qu'est-ce qui vous a surpris la première fois quand vous étiez venu au Tchad? C'était quoi la première surprise que vous avez eue? La surprise au Tchad. Qu'est-ce qui a été différent au fait? Les insectes, pour commencer. Ça a été une grande surprise. Non, mais plus sérieusement, j'ai été agréablement surprise par l'hospitalité des gens ici. J'ai vu là un pays où ses habitants sont généreux, solidaires et super respectueux. Et c'est ce qui fait la force et le charme de mon pays. D'accord, en tant que fille de votre époque, est-ce que vous êtes utilisatrice des réseaux sociaux? Et à quelle fin vous utilisez les réseaux sociaux? Alors, vous allez avoir du mal à me croire, mais je ne suis pas une grande utilisatrice des réseaux sociaux. C'est vrai que je consulte Facebook et Twitter de temps en temps pour suivre l'actualité au Tchad et dans le monde entier. Mais sinon, non. À part Instagram aussi de temps en temps pour y publier mes œuvres, mais sinon, non. Madame Dakou, nous avons en mars dernier, comme la question qui a été posée à Madame Halimé, c'était la journée internationale pour la lutte des droits des femmes. On voit beaucoup de mouvements féministes, ici au Tchad qu'ailleurs.
s'émerger. Êtes-vous féministe? Alors, c'est un terme qui est assez clivant. Je dirais que s'il s'agit que la femme s'en sorte seule, sans l'aide de personne, et qu'elle puisse boycotter les hommes, alors non, je ne le suis pas. Mais au contraire, si elle ne se limite pas à donner naissance, à faire à manger, et qu'elle se dise « oui, j'ai le droit d'avoir droit à l'éducation, d'avoir droit à la politique, d'avoir droit à l'emploi », je le suis totalement. Vous êtes artiste peintre hein, quand vous avez du temps entre diriger votre entreprise et faire du relations publiques ou quand vous n'investiguez pas en tant que journaliste. D'où vous êtes venue cette passion pour la peinture? Alors je tiens à dire que je n'ai jamais pris de cours de dessin ou autre de ma vie. C'est un don qui m'est venu du ciel et c'est complètement inné. Je tiens ça de ma mère surtout qui est encore plus douée que moi. Donc c'est juste une passion qui est venue de fil en aiguille. Depuis toute petite, je dessine et arrivée à cet âge-là, c'est devenu une passion secrète. D'un coup, on connaît que les artistes, souvent peintres, c'est des gens qui vivent dans leur monde à eux à part. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que vous aussi, vous avez votre petit monde à part? Alors, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre dans ma bulle. D'ailleurs, mes sœurs pourront vous le confirmer. Mais c'est juste parce que j'ai une vision des choses qui est assez différente de celle des autres. Et du coup, les gens, ils voient ça comme un isolement de ma part. Donc, voilà. Est-ce que vous vous sentez libre quand vous dessinez ou bien vous avez des censures envers vous-même? Vous vous censurez souvent de ne pas peindre certaines choses parce qu'on sait que les artistes peintres, bon, pas chez nous forcément, mais de manière générale, ils peuvent faire de la peinture des nudes, faire plein de choses dans la peinture, parce que c'est l'art qui s'exprime dans toute sa liberté et sa diversité. Est-ce que vous vous censurez ou bien vous avez des sujets assez précis? Alors, quand il s'agit de sujets qui m'intéressent personnellement, il n'y a pas de censure. Mais en l'occurrence, s'il s'agit de thèmes qui ne représentent pas ma personnalité et ma valeur, un peu comme les satires, etc., je ne dis pas que c'est de la censure, mais je préfère rester à l'écart et faire ce que je souhaite faire de base. À quoi sont liées les préférences des couleurs que vous utilisez? Alors, j'utilise plutôt des couleurs chaudes pour qu'ils puissent apporter une certaine douceur à mes œuvres, une certaine chaleur et harmonie. Et c'est ce qui fait le fait que l'œuvre soit agréable à regarder. Donc, voilà. D'un coup, tous les artistes, hein, qu'ils soient peintres ou autres, sont inspirés par un autre artiste d'une autre époque. Vous, c'est lequel votre préféré et pourquoi? Vous êtes influencé par qui quand vous dessinez? Je dirais ma mère, même si ce n'est pas une artiste. C'est une femme qui a su m'inspirer à sa façon, parce que c'est une femme qui est sage, qui est douce, un vrai modèle pour moi, et je ne peux que m'en être inspirée par elle. D'un coup, vos tableaux expriment quoi souvent? Quelles sont les thématiques que vous utilisez? Alors, je suis plus dans l'hyper-réalisme. C'est-à-dire que je fais en sorte de réaliser des œuvres qui sont détaillées et précises, je ne sais pas si vous arrivez à voir, et qui se rapprochent le plus de la vérité. Donc je joue sur la texture, les couleurs, les ambres, etc. Juste pour avoir une réalité trompeuse. Je vois une sorte de crépuscule, montagne, chameau. Vous avez déjà visité peut-être le Tibesti ou l'Enedi? Vous y étiez déjà? Non, j'allais y aller avec mon père, mais je n'ai pas eu l'occasion de visiter son patelin. Du coup, j'en ai fait un dessin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà exposé un vernissage? Non, jamais. C'est plus une passion secrète, cachée. Je fais ça quand je m'ennuie, quand je suis inspirée. Donc, voilà. Idem, j'ai fait cette œuvre qui représente ma famille. Donc, On peut approcher la caméra. Voilà, ils vont zoomer pour que tout le public aussi puisse voir à travers le zoom. Ouais. Parlez-nous de ce tableau.
Alors ce tableau, je l'ai réalisé à un moment... On reconnaît un personnage, hein, ça c'est clair. Au milieu, tout le monde le connaît. Alors, je l'ai fait il y a quelques mois, à une période où tous les membres de ma famille étaient regroupés sous le même toit. C'est-à-dire que mes sœurs qui habitent au Canada, en France, en Algérie, etc., étaient toutes venues au Tchad. Et j'ai voulu capturer cet instant qui était juste magnifique. Et j'en ai fait un portrait familial. C'est-à-dire, ce tableau, c'est les membres de votre famille. Hein. Ouais. Vous êtes où sur le tableau? Vous êtes là? Je suis là, avec mes cheveux que je tiens de mon père. En tout cas, on a reconnu votre père. Effectivement. Merci hein, pour ce tableau, pour ce témoignage. Maintenant, c'est des questions un peu au positif. Ah non. Ça vous va? Ça vous va? Est-ce que nous allons passer aux choses sérieuses, hein? Avec toutes ces occupations, est-ce que vous avez de la place pour un homme dans votre vie? Un homme lequel vit mon père, mes frères, mes cousins, ma famille en général. Alors oui, j'ai du temps, surtout pour ma famille. J'aime passer du temps avec eux, j'aime rester avec eux et ça m'apaise. Tant pis, tout le monde a forcément du temps pour les membres de sa famille. Marié et fiancé? Ah oui, je suis fiancée depuis peu. D'accord. Voilà. quelles sont les caractéristiques normalement hein? Voilà, vous dites fiancé, certainement vous allez nous décrire votre fiancé. Quelles sont les caractéristiques d'un homme que normalement, de quoi aimerait vivre avec? Alors, je vais être honnête avec vous, concernant le choix de mon mari, j'ai fait totalement confiance à mes parents et alhamdoulilah, ça se passe bien. Mais sinon, me concernant, le physique ne m'importe peu. Pour moi, un homme devrait être dans le dîn, devrait être respectueux, avec qui la communication est fluide et qui devrait me pousser à m'élever, que ce soit dans ma religion ou dans mes projets. Donc, voilà les caractéristiques. Vous êtes trop calme, hein, Dakou. Quel est votre moment le plus délirant? Normalement, si vous devez sortir un peu de... Voilà, vous changez, être une autre Dakou. L'autre version de vous, elle est comment? Alors, je dirais les pranks. Ça veut dire que je fais des blagues aux membres de ma famille, et plus particulièrement ma mère. Il m'arrivait avec mes sœurs de l'appeler au téléphone et de lui dire qu'elle a gagné un voyage dans une île paradisiaque et tout ça. Donc, au début, elle le prenait bien, elle était toute contente, mais la chute était brutale. Mais sinon, on rigolait bien. On aime bien faire ce genre de blagues avec mes sœurs. À quelle occasion, vous êtes trop jeune, hein, Mashallah, à quelle occasion le courage vous a manqué? Alors, je dirais que c'est face à l'inconnu. C'était l'année où j'ai créé mon entreprise d'import-export dans le domaine des jeux vidéo. Cette année-là, j'étais une jeune étudiante qui faisait un double master. Je travaillais en alternance, bref, je faisais 10 000 choses en même temps. Et je commençais à douter de moi et de mes capacités à mener à bien ce projet. Du coup, j'ai beaucoup prié, je me suis posée, j'ai fait un grand travail sur moi-même et alhamdoulilah, maintenant, je suis passée à l'avant, j'ai une certaine assurance qui m'a permis de passer outre cette crise. Mm-hmm. Donc, j'ai fait tapis sur tout ce qui est peur, appréhension, alhamdoulilah. Maintenant, j'ai plus peur de rien. Sauf des insectes, mais... Allah alam. D'accord, en général, hein, les filles sont complices de leur papa. Mm-hmm. Vous, quel est votre rapport avec votre papa? Je vais être honnête avec vous. Papa est de loin la personne que j'aime le plus au monde. C'est un homme qui est extraordinaire. Il est super gentil, généreux, aimant, à l'écoute. Je vais vous donner une petite anecdote. Avant, quand j'entrais d'école... j'allais me poser à côté de lui, je racontais ma journée de travail, d'école, de cours, je parlais de mes copines, etc. Mmh, mmh. Et bizarrement, il était à l'écoute, il me conseillait et j'ai trouvé ça exceptionnel. Du coup, oui, avec lui, je me sens en sécurité, avec lui, je me sens aimée et alhamdoulilah. Je suis contente de l'avoir comme père.
Monsieur Saïd, vous étiez proviseur sous le règne de son père ou bien non. C'était bien moi, après j'étais directeur de l'école normale oui. Sous le règne de son père. Et donc je suis devenu proviseur sous le règne du président Abré. D'accord. Voilà. D'accord, quels sont aujourd'hui vos projets d'avenir à vous qui êtes dans la communication, dans le journalisme d'investigation, la peinture, autant de projets qu'ont aujourd'hui les jeunes. Peut-être, c'est vrai, vous êtes dans un cercle qui tourne autour de la communication parce que vous ne vous dispersez pas trop de ce cercle. Quels sont vos projets d'avenir à la fois personnels et professionnels? Alors, en tant que Tchadienne, il est tout naturellement pour moi... De vouloir travailler et avoir une certaine contribution pour mon pays. Donc j'aimerais participer au développement économique et social du Tchad, Inch'Allah. Et j'aimerais aussi, pourquoi ne pas se lancer dans la diplomatie, c'est-à-dire faire en sorte que le Tchad rayonne à travers le monde et à l'étranger. Donc voilà, c'est ça mon projet professionnel. Merci Dako d'avoir été une invitée au positif très agréable. Merci d'avoir Merci à vous. Et nous allons continuer. Mesdames et messieurs, nous arrivons presque à la fin de cette émission. À présent, c'est le moment de Amal Koul, d'Amsarra Ahmed Koulomalla. Tahadji l'aïna fiche nous à Lyon. Je suis tellement à l'aise aujourd'hui avec la thérapie de Halim et que je voudrais parler de la famille. Ma nièce Ramada tout à l'heure a dit que insan de muhim, famille de muhim. Nadum yani al rufugan, al akhwan, al connaissant, al jiran, kull muhimin, lakin al muhim dal famille. Nous avons famille à Gagda, chose important. Tanti waktag les familles à Gagda. Tanti Hagga Kulu les familles à Gagda. Tanti amour les familles à Gagda. Chose quand il nous mouche la Kulu. Nous avons tissé le courage à Gagda. Tamchi les familles à Gagda. Nous avons l'induc mon mouche la da. Tahajima aya. تشيفة بعد مرات سوء تفاهم شغل وايد انت تشين لو بونس با بتاتر بوش عافك يعني مش انت قصدتها ولا كده تمشي تهجله تسأله عشان فامي حقك ده شغل امبورتان مرة وايد مثلا القرآن بقوله قال كي الهناك ده كان كتلا كله قال كي من هالرأي كرق يوديك في دول وبتام بقوله كي هوان هناك ده بس هناك سمي انا الناس ده ما تلقى نادمك ده كان هوان كله ده بس نادمك الفو لاكسبتي وأدلا وشيلا ما تخليه يدي وانت كله خويتك يدي معايا أنينا جينا في زمن واحد الناس ما بصموا الناس ما نادم واي المسكين ده كان جالك ده أبين تلو يدي بونجور ولا تقول لي كوب جارد أنا أقول له أنا ما عارفيني ألور كسيتون سان شغل واحد انت ببركته هو المسكين اللي يجي من كدادي برا تخط جنبك تهجي معايا كان ما عندك شغل تنشي كله مام سي تشي بارتاج شاهي معايا أكل شيء أكلتي معايا يمكن بركة نوري انت ما تعرفة يمكن هو ذاته il peut t'apprendre des choses tout à l'heure je crois que c'est Halime qui l'a dit بكان وادين دا نادو موايا انت تشيفة تهجي رادا شغل واي هو ينتيك في ونستا بس معاك دا يمكن يساعدك توت تافي كل ما تعرفه. دون فامي أنا أكو ده شغل إمبورتان ليكو. أولاً فامي الداخل. أمك، أبوك، أخوانك، إيالك، راجلك، نسيبتك. أنا دايماً نهجي في بروبليم أنا نصبان ده. نسيبتك أما لراجلك ده. دي بس فامي أنا كالأكبر. أخوات لراجلك. طن هم ما يتعاملوا معك عديل كله. ولا نسبانك انت الراجل كما يتعاملوا معك عديل كله انت جيبهم في العديل بشيش بشيش بكلام حلو السميتة ما سميتة الشفتة ما شفتة بشيش بشيش هم بيستعدلوا وبيستعدلوا ليه يعطوا بيستعدلوا ليك انت عشان حياتك تغير وتفوى لبوزيتيف
wa yani ta'arfa ke kadar fi dunya da in tukul bigit utile pour quelque chose, que chacun de nous, comme l'a dit Ramadan Jai tout à l'heure, il faut que chacun mette du sien à partir d'abord de la famille. Fi betak dakhal fi famille anake kan indak shokhol adil da c'est ma famille anak kan indak ashir da c'est ma famille anak wa inta al famille zatake yani kan nar min famille anak dakhal bas amanak wa hajja ma'ak wa sawamak shokhol da gum agif moube ahamia. Ana personnellement niri la famille hagi asa shifta banata ana akhti sinen gaidin hini talata gumma gaidin da bakan da zata bigle halu marra wai niri da famille hagi marra wai paske famille da shukhul gudra ke maafi wa famille shukhul yantib da narum akhir ma yakdar yantib. Vraiment aujourd'hui je suis très ému. A ma droite ici Halime Edaku gibel shifta bebe Ramada. Masha Allah alaykul banat. Masha Allah. Allah yzidku. Allah yqaddimku. Je rends hommage à ma tante, la maman de Mama Saïd. C'est une grande femme, c'est une princesse qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je lui rends hommage. Je rends hommage à Souad Suleiman, la maman de Suleiman. Une brave femme. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum bi janna. Et avant de finir, je voudrais rendre hommage à la maman de Hamza. Hamza, c'est lui qui a fait O positif. Je voudrais rendre hommage à madame Fatoum Al Khali. Merci. Yasmine, mesdames et messieurs, merci à Madame Sarah pour cet hommage. Merci à ses partenaires d'inviter, d'avoir accepté notre invitation et de partager surtout des histoires assez intéressantes sur votre vie. Nous arrivons à la fin de ce numéro, Yasmine, à présent. Aussi long, mais très intéressant. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour danser au rythme de notre générique de fin. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup à vous. C'est très intéressant. Tarie chadnana, tarie chadnana, tarie chadnana, tarie chadnana. Dari Anas irifu samata, dari Anas irifu halata. Nibora dari afga mishil darufu gani, ega bululei huri ehana dari. Dari echadnana, dari echadnana, dari echadnana, dari echadnana. Dari Anas irifu halata, dari Anas irifu samata. Ini dora dari apa helu helu, kabulu lehi huri e ana dari dari e dari e dari dari ana dari 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 dari. Sama isana bundu ni tera dari aka helu helu gabulu lehi hurie ana dari dari ana dari he chadnara merci dari he chadnara merci musicien dari he chadnara.